faire découvrir le cinéma africain dans son entièreté, c'est le but que s'est donné votre émission Bomoko Film. Chers cinéphiles, heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour des nouvelles découvertes. Le film intitulé Maman Colonel était à l'honneur à l'Institut français de Kinshasa pour sa première projection sur l'écran congolais. Plusieurs personnes ont répondu présents à cette grande rencontre cinématographique. Suivez ces grands moments avec les réalisateurs de ces films. C'est dans le cadre de la projection d'un de mes films qui s'appelle Maman Colonel, qui a été montré au public kinois pour la première fois ce soir. Le film parle d'une maman de la police qui s'appelle Honorine Mugnolé, qui est colonel et qui s'occupe des femmes victimes de violences sexuelles et de la protection des enfants. C'était un portrait excellent en fait. J'ai trouvé très très beau, très réaliste, même pour les enfants, ce qu'ils ont vécu, que pour les femmes, comme pour les femmes et pour les autorités qui combattent. Je vais mettre Maman Colonel en contact avec nos gens sur le terrain qui travaillent sur ces problématiques-là. Donc oui, félicitations, c'est une femme extraordinaire et il nous faut plusieurs femmes comme ça ici au Congo. Ndenge na ye awa, bozala na confiance. Toko bongisa musala, toko ningisa, toko ningisa awa. L'ensemble de tout a donné la force à ce film et c'était tellement émouvant. J'en ai eu des larmes aux yeux à un moment donné par rapport aux témoignages des femmes et surtout des enfants. Et j'en remercie beaucoup le réalisateur. Diédo, il a été magnifique. Le film il est sorti il y a pratiquement une année au Festival de Berlin, la Berlinale, au mois de février 2017. Il a été vu après de 150 festivals aujourd'hui. Il a remporté plus de 15 prix et il continue sa vie sur le plan international. C'est le souhait de répandre parmi d'autres le message de ce film en espérant que peu à peu des initiatives comme celle de Maman Colonel puissent se multiplier dans le pays et peu à peu on arrive à changer les mentalités qui finalement font beaucoup de dégâts parmi les enfants, les jeunes, les femmes. C'est un film documentaire, c'est basé sur la réalité de Maman Colonel, de son travail et de sa vie. En tout cas j'essaie de faire en faisant des films, c'est partager la réalité congolaise avec le plus grand nombre à travers le monde. Chopper Kabambi est notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous nous sommes entretenus sur ces deux films intitulés « Une lettre à Pakfi et Mboti ». Suivez l'interview qu'il nous a accordée. Moi, je m'appelle Chopper Kabambi Kachala. Je suis un cinéaste à plusieurs casquettes parce que je suis, au départ, je suis un réalisateur. Mais au fil du temps, je suis devenu producteur aussi. Je suis en même temps directeur d'un grand festival ici à Kinshasa qui s'appelle Festival International du Cinéma de Kinshasa. Mais en même temps, je suis organisateur de plusieurs ateliers, hein, ateliers autour du cinéma. Moi, tous mes films m'ont marqué. Mais celui qui m'a le plus affirmé, qui m'a introduit dans le monde international, c'est Mboti. Quand je serai grand, je deviendrai riche. Mboti, c'est l'histoire d'un petit garçon rêveur qui rêve de sa vie meilleure alors que son père est en train de vivre tout le contraire de ce que lui il rêve. Ce petit garçon est retenu à l'hôpital parce que son père ne peut pas lui payer des soins médicaux. Mais lui, il continue de rêver, et encore de rêver.
pour les meilleurs avenirs du Congo et son avenir. Quand je serai grand, je ne changerai pas de nationalité. Je n'aurai qu'une seule femme et un enfant. Comme ça, je saurai prendre soin d'eux. Comme ça, mon enfant n'ira pas dans la rue et j'aurai les moyens de le faire soigner. C'est un film, j'ai postulé pour chercher un peu d'argent. J'ai eu des refus, plusieurs refus. Mais quand le film est sorti, il a plus circulé, il a eu plus du succès que les films qui ont été financés. Un autre film qui m'a marqué aussi un peu particulièrement, c'est Une lettre à Paxi. J'ai fait un petit documentaire pour ma fille. Je croyais que ça allait être à l'usage familial, juste pour nous. Mais ce film aujourd'hui fait les tours du monde et il est dans plusieurs compétitions, dans plusieurs festivals, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Partout, j'irai même au Rwanda, je crois, en avril, pour aller dans la compétition internationale grâce à ces films. Je sais que tu es curieuse, ma chérie. Une curiosité que je me reconnais. L'industrie du cinéma en RDC n'existe pas. Normalement, notre industrie cinématographique devrait exister pour appuyer en tout cas les développements. Mais cela étant, il y a quand même des gens qui font des films, qui représentent les pays et qui font la fierté de ces pays partout dans le monde. On n'a jamais eu de budget pour faire des films. On fait des films avec zéro budget. Ça circule, ça va partout dans des grands festivals, ça passe aussi dans nos festivals. Nous sommes en train d'organiser des formations. Il n'y a pas d'école de cinéma, mais nous, étant que cinéastes qui avions une petite expérience, nous initions gratuitement, je le signale, nous initions gratuitement des jeunes qui sont talentueux, des jeunes qui veulent faire du cinéma. Pour ton fils, je veux le dire à mon frère, il pourrait t'aider. Mais toi, j'ai pas fini avec toi. Tu es encore ici? Quoi, tu le connais? Kondo. Moi, je suis très content parce que partout où je passe, quelques amis à l'étranger me parlent de cette émission. Et ils disent, il y a maintenant à la chaîne nationale une émission qui parle du cinéma et c'est très professionnel, c'est très bien fait et tout. J'ai dit merci beaucoup à l'ADG qui appuie cette émission et je la demande vraiment de tout mon cœur de continuer à appuyer cette émission. Parce que c'est une émission qui fait la fierté de cette chaîne, qui fait la fierté de notre cinéma, qui fait la fierté de ces pays. Kabambi. Alors, vous avez fait... Le cinéaste Marc Vinga, originaire de la République démocratique du Congo, a remporté plusieurs prix au niveau international grâce à certains rôles qu'il a interprétés. Découvrons ces Congolais talentueux dans les scripts. Je t'ai choisi un prénom ? Abdal Malik. Marc Zinga, né le 21 octobre 1984, cumule de multiples talents, acteur, chanteur et réalisateur. Originaire de la République démocratique du Congo, il quitte son pays natal à l'âge de 5 ans pour s'installer en Belgique. Il fait ses premiers pas sur grand écran en 2009 dans Diamant 13, où il tient un second rôle aux côtés de Gérard Depardieu. Il rejoint ensuite le petit écran en incarnant le général Mobutu dans Mr. Bob en 2011. Mr. Bob, Monsieur le Président.
Ce film raconte l'histoire de l'ex-Congo-Belge en 1965, secoué par une sanglante guerre civile. Le premier ministre Moïse Tshombe fait appel au mercenaire français Bob Denard pour mater les rebelles Simba. Denard et ses hommes épaulent les forces loyalistes et parviennent à rétablir une paix fragile dans le pays. C'est le moment que choisit le général Mobutu, ministre des armées, pour fomenter un coup d'état et prendre le pouvoir. À la radio, j'ai dit tout le bien que je pensais de toi. Tu as entendu? Le général Mobutu est un tyran. Nous avons l'occasion de le faire tomber. Aujourd'hui, si vous choisissez de vous battre, vous n'êtes plus des mercenaires. C'est que parmi les bons, il y a la bière. En 2014, Marc Zinga joue au théâtre dans Une saison au Congo d'Aimé Césaire, une pièce de théâtre écrite en 1966. À la demande de Lumumba, le gouvernement belge a accepté de fixer au 30 juin 1960 l'indépendance du Congo. Elle met en scène le dernier mois de la vie de Patrice Lumumba dans la période de transition vers l'indépendance du Congo belge, marquée par les conflits avec la sécession katangaise, soutenue par les intérêts belges et plus largement occidentaux. Marc Zinga partage l'affiche du film Les rayures du zèbre avec Benoît Pelvord. Tu te débrouilles pas mal, hein? Tu t'appelles comment? On est Yaya. Et quel âge? 19 ans. Ah ouais, 19 ans plus TBA. Hein. Il y campe Yaya Koné, un jeune footballeur ivoirien promis à une belle carrière en Belgique grâce à son manager. Il attend quoi? Il dit qu'il est son père. Eh ben maintenant, c'est moi son père. Ce rôle permet à l'acteur d'obtenir le Magritte du meilleur espoir masculin. L'année 2015 s'annonce exceptionnelle pour Marc Zinga. Récompensé ici pour son rôle émouvant dans Les rayures du zèbre, une coproduction RTBF, il est également nominé au César pour Kala bénisse la France d'Abdelmalik et sera à l'affiche du prochain James Bond dont le tournage débute dans quelques jours. La consécration de ce jeune Congolais se poursuit lorsqu'il est nommé au César dans la catégorie meilleur espoir masculin pour son rôle dans les films Kala bénisse la France d'Abdallah Malik. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où... Il raconte le parcours de Régis, noir, enfant d'immigrés, surdoué, entre délinquance, rap et islam. Il va découvrir l'amour et trouver sa voie grâce à la volonté de réussir et d'avoir un avenir meilleur. Je reçois une lettre du tribunal. Bien évidemment. D'ailleurs, je viendrai avec ma famille. Je veux qu'on aille habiter en France. Oui, dans un petit village au nord de Paris. Ah, là, Paris ? Enfin, c'est un peu plus au nord. Après avoir joué dans 3 autres films, en 2016, Marc Zinga tient le rôle principal du film franco-belge Bienvenue à Marly Gaumont de Julien Rambaldi, où il interprète un médecin zaïrois, son pays d'origine, venu s'installer en France avec sa famille en 1970. Ce qu'ils connaissent. Dans ces films, on remarque la présence d'Aïssa Maïga, une célèbre actrice sénégalaise. Je sonne mon premier patient demain. Quelques années après, Marc Zinga tourne dans les films Nos Patriotes, qui est un film historique français réalisé par Gabriel Le Baumine et sorti en 2017. Et ce qui me touche dans le fait que des gens soient appelés à protéger un pays, un peuple qui n'est pas leur, c'est le symbole d'empathie. En tout cas, je pense que ça a été d'un grand bénéfice pour nous et de tourner dans le vrai environnement. Je pense que c'est un excellent conditionnement pour les acteurs de savoir qu'ils sont là où les choses se sont passées. On retrouve Marc Zinga dans des genres cinématographiques différents. Il apparaît dans des longs métrages avec des acteurs reconnus, mais aussi dans des téléfilms. À la fois acteur, comédien et réalisateur, ce cinéaste congolais n'a pas fini de surprendre nombreux cinéphiles et cinéastes. Il est parmi ceux qui font la fierté de la République démocratique du Congo dans le monde cinématographique. Voilà, je souhaite dédier ceci à la mémoire de messieurs Dieudonné Kabongo, Philippe Seymour Hoffman et aussi Davis. Merci beaucoup.
Nous sommes arrivés à la fin de notre découverte. Vous qui nous suivez, continuez de nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Sur Facebook, nous sommes dans Bomoko Film Officiel ou Afrique Bomoko. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir et portez-vous bien.